Hello, hello tout le monde, c'est Laurine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de ce marathon de comeback, puisqu'on va réagir au dernier MV de NIPEN. Il n'y a pas eu de vidéo hier, j'ai fait une petite pause dans ma semaine marathon, ça a fait du bien. Et aujourd'hui, on va enfin conclure avec le comeback de NIPEN que j'ai vraiment hâte de voir. Vous savez que d'habitude, c'est vraiment mes comebacks préférés. J'ai été un petit peu déçue de Sweet Venom dans le sens où c'était pas ce que j'attendais au niveau du MV par rapport à ce que j'aime d'habitude avec les comebacks de NIPEN. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais être comblée. Pour l'occasion, j'ai mis du rouge sur la LED dans le fond. J'espère que ça vous plaira de temps en temps un petit peu adapter les lumières et le tout en fonction du comeback et en fonction du thème. Là, rouge, vampire, vous avez compris le délire. Voilà, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil avec mes LED. Et sans plus tarder, on passe tout de suite à la réaction. Et c'est parti pour cette vidéo réaction à XO de NIPEN. Let's go! Ok, on retrouve les garçons en train de jouer à pierre feuille ciseaux. Pourquoi? On ne sait pas encore. Petit sourire de Seungwoon. Enfin, le rire. Il fait rire aussi. Au revoir. Ah oui. J'avais pas encore entendu le son. Je le découvre vraiment en même temps que vous. J'aime trop. Oh. C'est une chanson love. C'était prévisible. C'est particulier. Ok. C'est super chill et tout comme chanson pour le moment, j'aime bien. Ce nom en blanc, il est trop mignon, on dirait un petit ange. Wow. J'aime bien. C'est le seul combat, enfin, ça veut dire c'est le seul combat avec une nana, mais non. Mmh. Ah, quelque chose qui a réveillé Seungwoon. Ah, oh. Ah, il lui dit Choi. C'est tout ce que ça veut dire si vous regardez des dramas. C'est laquelle déjà? Oh, oh la chorégraphie, j'aime trop les caméras comme ça en mouvement. C'est trop stylé. Jay se réveille. Wow, la tenue de Jay. Oh, elle est trop mignonne. Voilà. Would you kiss me? Would you hug me? Oh non, elle est trop mignonne. Sauvez-moi. Wow, c'est trop mignon ça. Avec la grosse frame. Ce mode est incroyable. Ça devient plus dark. Ah non! On tombe sur quelque chose de plus cute. Oh, j'adore l'outfit! J'aime trop. Mais la chorégraphie, par contre, elle est incroyable. Wow! Attendez. Nikki, c'était incroyable. Attendez, faut que je vois ça. Wow! Oh non, j'adore! J'adore! C'est beau ça! On voit leurs petites oreilles,
ailes de chauve-souris. Ça y est, ça m'a perturbé là. Wow. Jake. C'est juste son rêve. Ok. Est-ce que ça se finit comme ça? Ah non. Attendez. Ok. Nikki. Pourquoi il est à part du coup là? Oh! Il y avait... ah, j'allais dire, il y avait une fille normalement. Et là, en fait, ils font un embouteillage. Pour quelle raison? Quelque chose m'échappe. Ceux qui ont dû lire le webtoon ont la rêve, je pense. Il y a le temps qui s'arrête aussi. Ça, on avait déjà vu. Ok. Nikki a l'air diabolique. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du coup pour ce nouveau comeback de NIPEN? Musicalement, j'ai bien aimé. Vraiment, la musique est vraiment super cool. J'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup les voix. Vraiment, c'est très très beau. J'adore. C'est une ambiance plutôt tranquille, plutôt chill. J'aime bien. Il nous faut un petit peu des musiques aussi comme ça. Donc, musical, j'aime beaucoup. Le MV ensuite, il est à l'image de la musique, c'est quelque chose qui raconte un peu plus des sentiments amoureux, enfin voilà, on a compris. C'est très doux aussi, on voit quand même les garçons chacun un petit peu de leur côté, hein, puisque là, vraiment, maintenant que j'ai découvert un petit peu du webtoon avec l'album de Dark Moon, j'ai un peu repéré ben, voilà, certains et leur métier ou voilà ce qu'ils font, et avec certains avec une fille et d'autres pas. On voit surtout Seungmoon avec une fille qui vraiment se change un petit peu, tu vois, ses yeux qui se métamorphosent et tout. Voilà, ça raconte du lore, ça donne du lore, c'est de l'histoire. Après, j'ai bien aimé aussi les transformations où on les voit un petit peu en mode chauve-souris. Ça, c'était vraiment très très cool. Maintenant, c'est pas la hype à laquelle j'attendais. Voilà, je voulais peut-être quelque chose d'un petit peu plus... Parce que en vrai, le concept trailer était incroyable et à chaque fois, du coup, j'attends quelque chose d'encore plus incroyable au niveau du MV. C'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé la chanson, j'ai bien aimé le MV. On va voir ce que je vais penser de l'album plus tard, puisque je vais aller l'écouter et je vous en ferai bien sûr une review sur la chaîne, pas d'inquiétude. Mais globalement, personnellement, j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du MV et de la musique. En commentaire, j'aime toujours autant vous lire et avoir votre avis. Est-ce que vous partagez le mien ou non? Tout ça, comme d'habitude, dans le respect, bien entendu. Si cette petite vidéo réaction vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, ça aide énormément, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait plaisir aussi et ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup et ça me fait trop trop plaisir de voir la communauté s'agrandir de jour en jour. Vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux dans la barre de description, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, etc. Mais moi, je vous recommande surtout de me suivre sur mon compte Instagram, qui est vraiment le compte sur lequel je partage le plus de choses avec vous, que ce soit en story ou en post. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Et moi, eh bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt! Been on my way since day one. I wait every day since I'm gone.